Et donc bonjour à tous, bienvenue dans ce streaming sur Animal Crossing, le jeu que tout le monde a fait. Donc du coup bah je vais attendre vite fait afin de voir si tout fonctionne. Et ça a l'air de fonctionner. Et ça a l'air de fonctionner. Bah on est parti. Je vais juste avant évidemment hein, parce que vu que je rack avec un truc qui pue la merde. Même si c'est pour avec la Switch, bah c'est bien, mais ça marche pas très très bien. Ça s'appelle Recent Roll, c'est pas ouf. Bref, hop, publié. Voilà, comme ça sur YouTube, les gens ils savent qu'il y a un streaming, et comme ça tout le monde est content. Même si j'ai essayé, j'ai pas réussi, mais je voulais commencer à stream sur YouTube et Twitch en même temps, mais j'ai pas réussi. D'ailleurs, on va beaucoup baisser. Wow, c'est fort de ouf. Je sais pas, est-ce que le son est intéressant? Attends, je vais voir. Ça a l'air d'aller, faut juste que je parle relativement fort, mais le son a l'air d'être putain de fort. Attends, je vais juste tac-tac. Voilà. Tout d'abord, félicitations, tu fais le bon choix en t'inscrivant à cette aventure. Ensuite, bienvenue au guichet d'enregistrement dédié à la formule évasion île déserte de Nook Inc. Évidemment. Je vais peut-être augmenter un peu le son. Parce qu'il a l'air d'être super bas quand même. Mais chaque pause en son temps, laisse-nous faire les présentations. Je suis Melly et l'autre, logiquement, Mello. Et je suis Mello. Oh. Bon, attends. Hop, tac. Et voilà. Parce qu'en fait, à chaque fois que je retouche à Streamlab OBS, je suis obligé de redémarrer. Sinon, ça me crée de la latence et c'est insupportable pour jouer. Nous allons t'accompagner sur l'île pour t'aider à t'installer. Considère-nous comme tes compagnons de voyage. On va faire un bout de chemin ensemble. Allez, commençons. Tout d'abord, jetons un œil à ton inscription. Il nous faudrait ton nom, ta date de naissance, c'est important. Non. Alors, je sais plus, est-ce qu'on. Ouais, le tactile ne fonctionne pas. Évidemment, qui suis-je? Le grand Lival. Là, tu vois, j'ai de la latence un peu. Ah, tout à l'heure, c'était moins violent. Je vais juste. Je ferai ça, je pense, relativement souvent, mais je suis obligé. Ouais, c'est un peu moins violent. Oui, je suis Lival. Anniversaire. Je suis né le 20 août. Et tout le monde va oublier cette information. Parce que ça ne change rien à votre vie. Confirmé. Et on me demande pas l'année. Voyons voir. Oh oui, te voilà. Ensuite, il nous faudrait une photo de toi. Oh, ne t'en fais pas, prends tout le temps dont tu as besoin pour te préparer. Nous attendrons que tu aies fini. Ne bouge pas d'ici. Évidemment, d'habitude je prends les meufs dans les jeux, mais là non, je vais pas. Oh là, ils sont moches. Attends, là t'as le blanc dégueulasse. Alors j'aime bien ça. Ah non, 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 non. Attends. En termes de cheveux. Y a que ça? Bah je dirais dans le tas. Ouais mais ça c'est moche mais. Parce que je dirais que ça serait un peu le truc parce que j'ai les cheveux relativement longs mais. Mais c'est dégueulasse. Tous sont dégueulasses. On va prendre ça, hein. Ouais, ben j'ai. Ouais. Ah, attends. Ah non, il n'y a vraiment pas de choix, ok. Attends, là-bas, c'était. Ah, ils sont dé. Ah, ils sont dégueulasses, tes yeux.
En vrai, lui, il est bien. Hein. Allez, on va prendre des. Putain, il n'y a que bleu, genre. T'as du bleu, du bleu, du bleu, du gris, du marron ou du bleu. Non, attends, la bouche. Ah ouais, le nez. Ah bah, de toute façon, les nez dans Animal Crossing, c'est ceux-là. Ça, c'est la bouche. Oh, c'est bien ça. Et ça, c'est quoi? Mais tu te mets à mort en stream en ce moment. Bah ouais. Bah de toute façon, il y avait Pokémon Y que je voulais terminer. Et bah là, Animal Crossing, j'avais envie de le faire. Donc. Voilà, ça me paraît bien. Pas refait. Eh bien, je crois que tout est prêt, Witou. Je vais ajouter cette photo à ton dossier. Alors, on n'est pas peu fiers du travail qu'on a abattu pour que tu t'en sentes à l'aise dans ta nouvelle vie. Ah oui, en fait, si tu veux, même les saisons peuvent être celles auxquelles tu es habitué. Là où je veux en venir, c'est qu'on a des îles dans l'hémisphère nord et sud. Waouh! En Europe. Ah, c'est bien le jeu. Si nos conclusions sont exactes, tu devrais trouver ton bonheur sur une île de l'hémisphère nord. Incroyable, bien joué. Alors, il reste plusieurs choses à finaliser. Est-ce que notre proposition te convient? Ouais. Évidemment. Le jeu lit dans mes pensées. Et surtout dans les. Par rapport au Wi-Fi auquel il est connecté. Parfait, nous avons tout un tas d'îles paradisiaques inhabitées disponibles dans l'hémisphère nord. Bah, c'est normal, même si je pense qu'il n'y en a pas 20 000. D'ailleurs, c'est pas le premier jeu qui est comme ça, parce que d'habitude, les Animal Crossing, t'as. Sous le temps, tu es en taxi. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Je sais pas, celui-là, il est chiant parce qu'il y a une espèce de lac, mais en vrai, ça peut être sympa. Lui, il est bizarre. Bah, je dirais plutôt lui, genre. Je l'aime bien lui. Je sais pas. Genre. Quelle merveilleuse décision, il nous tarde de te la montrer, nous avons hâte. Une DRA, une IR, ok, c'est Tillon. Juste avant de partir, si tu pouvais emporter une seule chose avec toi sur une île déserte, qu'est-ce que tu choisirais? Ouais. Parce que très intéressant. Bon bah c'est mardi, c'est mardi. Ça tombe à point nommé, allons-y. Ok, intéressant. Paf, paf. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir pris place à bord de ce vol affrété par Nookink. Pour notre formule d'évasion, l'île est déserte. Mettez-vous à l'aise et profitez de notre vidéo d'introduction à la vie sur une île déserte. Je sens que ça va être chiant. Je sens que ça va être pas très très marrant. Je te demande, mais attends, j'ai pas du tout créé ça. Alors voilà, un truc que j'adore dans Animal Crossing, c'est la pêche et tout ce qui est insectes. J'ai toujours kiffé ça, enfin quand j'étais plus petit, du moins là, je sais pas si je vais toujours aussi kiffer autant. Mais le problème, c'est que j'ai un peu de latence et que je pense que je vais galérer à les attraper. Du coup, je préviens, mais ça fait depuis la 3DS, j'ai pas joué à Animal Crossing. Donc ça fait vraiment longtemps. Bon, bah, c'était la petite introduction. On verra ce que le jeu a à nous offrir.
De toute façon, il me semble c'est le genre de jeu, faut pas le spammer. Enfin, faut pas y jouer à mort, genre un jour. Il n'y a pas de lire un message. Alors parmi nos habitants, on a un rhinocéros rose et l'autre, je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. Je sais pas si c'est un loup ou... Au séminaire, on ne rend pas de séminaire. Attends, je vais peut-être remettre un peu... Comme ça me paraît bien. Ah, je peux me déplacer. Alors, est-ce que... Ouais, ça va. Alors non, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça comme animal? Donc on a des oranges sur notre île. Plutôt bien. Ah, le fameux Tom Nook. Ouais, c'est chiant, ça a un peu du mal à répondre, hein, mais de toute façon, le genre de jeu. Animal Crossing, c'est le genre de jeu où à part ouais, pour la pêche et tout, le direct direct, c'est pas obligatoire. Très bien, est-ce que tout le monde est là? Voyons voir. Rina. Rhinocéros, Antonio, qui a rien à voir avec son animal. Et enfin, des libales. Parfait, nous sommes au complet. Ah, on est que trois dans la. Je vous passe la main, monsieur Nuke, nos trois aventuriers. Ah, donc on est trois arrivés en même temps. Bienvenue sur votre nouvelle île, je suis Tom Nuke, le grand voleur de tous les jeux Animal Crossing. C'est marrant parce qu'à cause du corona, du coup, personne n'aura Animal Crossing en physique. Tout le monde l'aura en dématérialisé, comme moi là par exemple. Bla 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 bla. Une simple tente. Récupérez votre tente auprès de Millie ou Mello et placez-la ensuite à l'emplacement de votre choix. Ah, donc on choisit la maison. Eh, en vrai, mec, on va le mettre à côté de Tom Nook, hein, comme. Ah, pardon. Tiens, cette tente est à présent la tienne. Alors, comment on ouvre l'inventaire? Est-ce que c'est X? Appuie, bah oui, bah voilà, bah, c'est X pour l'inventaire. Pour avoir le résultat avant de prendre ta décision. Garde en tête qu'il te faut assez de place pour être allé chez toi. Ne te précipite pas, ou je ferai mieux de te donner une carte. Ah oui, vu qu'on est plus, on n'a plus l'écran du bas là, comment ça se passe? Une fois que tu auras monté ta tente, reviens nous voir. C'est là que ta carte pourrait être utile. Allez au travail, bonne chance pour trouver l'endroit. Mais je me souvenais pas. Oh! La musique! Elle est si belle. Mais de toute façon, Animal Crossing, c'est vraiment le jeu. C'est vraiment en vrai le genre de jeu qui me correspond. Genre, pas prise de tête, juste sympa. Construire ici. Oh! Attends, imaginons. Donc je verrai le résultat. Ouais, ça va. Comme ça, je suis juste à côté de Tom Nook, c'est cool. C'est parfait, bah vas-y. Ça y est, tu as monté ta tente. Ouais, le son, il est bien, ok. J'ai pas vu ce qu'il fallait que je fasse. Bah attends, on va regarder dedans. Tom Nook a encore besoin de toi, reviens plus tard. Ah ok. Ah Livel, je conclus que ta mine réjouit que tu as trouvé un emplacement pour ta tente. Tu es le premier, les autres doivent encore être à la recherche du coin idéal. Tu sais, je crois qu'il serait ravi de bénéficier de l'aide de quelqu'un ayant déjà exploré les lieux, oui. Donc, logiquement. Ah ça va, on a la carte en bas. Donc on a du... C'est quoi ça? Comment on prend? Attends, comment on prend? C'est avec A? Comment je récupère les choses? Peut-être faut que je reste appuyé. Non, bon, de toute façon, je pense qu'on me le dira. Donc on a des oranges. Donc voilà, hein, évidemment, tout le monde le sait, je pense. Si j'imagine que c'est le cas aussi dans le jeu. Les fameuses oranges. Source d'argent au début du jeu. Ah, ça va, c'est sympa.
Alors mon but, c'est d'avoir tous les poissons. Coquillage. Oh, poisson. Donc tu vois par exemple, moi dès que je peux, je vais commencer à pêcher. Ah, bonjour. Alors, je crois que je viens de comprendre, en fait, quand il parle, c'est du japonais. Mais juste tellement modifié. Mais voilà, mais je pense que c'est genre une espèce, tu vois, de Google Traduction en mode japonais qui parle. Ouais, quand on y réfléchit, j'ai l'impression de temps en temps que c'est du japonais parce qu'il m'a dit yo. Et ça, c'est... Ouais, il y a beaucoup de U aussi. Il y a beaucoup de... Putain, j'ai peut-être... Incroyable. Bah oui, bah maintenant que je connais le japonais un peu. Je pense que c'est un moyen de faire à la ferme, j'hésite. Oh, bon, écoute, hein. Oh, c'est aussi ton avis. Putain, on dirait qu'il a dit ça. Non, en fait, je suis pas sûr. Je crois que c'est juste du français, mais on dirait que c'est du... Parce que là, il a dit ici. J'ai compris le alors. Je sais pas, j'aimerais qu'il reparle pour que je vois. Ouais, il a dit ce serait, et un, je l'ai entendu. Pouet, quoi, pouet. Mais là, le alors, on l'a bien entendu. Ouais, donc non, en fait, c'est juste du français, mais... En fait, si ça se trouve, c'est vraiment ça, genre, c'est un truc japonais, mais qui essaye de parler français. Ouais, t'as vu, genre, si ça se te l'eût vu, c'est marrant. Bon. Alors, Rinard. On va trouver Rinard. Alors, à la carte, on est où là? Ah bah, au moins, c'était rapide. Il n'y a pas 20 000 personnes, enfin je dis ça mais j'ai... Ah si c'est Antonio l'autre. T'as trouvé un coin sympa où planter tes sardines? J'allais pas... Tu veux que je te dise quoi? T'es un PNJ, hein, tu fais ce que tu veux. Hein. Allez, montre-moi. Waouh, pas mal, hein? Super. C'est marrant. Moi j'aime bien. Merci Badabou. Et ça aussi c'est un truc typiquement japonais de dire des mots inutiles. Oh. On l'a bien entendu le... Tu vois Badaboum, pourquoi? Tac, tac. Rebonjour, j'espère que vous avez tous trouvé un bon emplacement où monter votre tente. Vous verrez, vous vous sentirez bientôt comme chez vous, dans votre nouveau foyer. Nous pouvons maintenant passer aux choses sérieuses, oui. L'argent. Ah non, une grande fête. C'est bizarre. Et d'abord, puisque nous vivons ensemble sur cette île, profitons de l'occasion pour apprendre à travailler ensemble. Mélina, Antonio s'occuperont des préparatifs et moi je vais chercher de l'argent. Ah non, des tas de bûches, ok. Ah donc c'est ce qu'on a vu. Alors pour régler l'argent, on attend tous ce moment. Ah donc c'est Y pour ramasser, ok. Ah ok, donc en fait, j'avais juste pas accès au ramassage. Est-ce que ce sont bien des... Attends, ce sont des branches, mais il veut des bûches ou des branches? Ah ouais, a priori, j'ai que ça. Là, on en a 6, donc plus que 4. De toute façon, je pense qu'il y en a... Ouais, il y en a partout autour. Attends, j'ai ramassé quoi, là? Une mauvaise herbe. Attends, les mauvaises herbes, on n'est pas censé les retirer?
Attends, là je suis à 10, je crois, ouais. Du coup, bah la strat, parce que je suis pas du tout. Mais je pense que c'est comme les autres jeux. Bah, après, cet enfoiré, il va nous demander de l'argent. Et on lui vendra des oranges. Voilà qui devrait largement suffire. Et du coup, après, ce qui pourrait être bien. Parce que j'ai vu sur le stream de Link, on peut aller sur les îles des autres. Ça peut être intéressant. J'aime bien quand c'est écrit en bleu, tu te dis ah ouais, c'est pour qu'on sache c'est quoi, mais pas du tout. C'est juste genre c'est en fonction de ton île que ça change, c'est marrant. Comme ça, les petits jeunes ils seront en mode waouh, il faut que je cueille des oranges. C'est juste. Ouais. Waouh. Un, dos, tres. Alors, si le jeu est bien fait, normalement, les fruits de ton île, tu les vends 100, et les fruits qui sont pas de ton île, tu les vends 500. Ou 1000, je sais plus, mais je crois que c'est 500. Tu vois, genre de papillons, genre, moi je vais galérer à les attraper. Hein. Enfin, les insectes, je vais vraiment avoir du mal. Attends, là, on est plutôt à droite de l'île, ouais. Ah ouais, on est carrément à droite. Ah, mais de toute façon, je peux pas aller plus loin à cause de l'eau. Donc c'est normal en fait que tous les autres ils aient été ici. Bien bien, je savais que tu étais le cueilleur de la situation. Viens, laisse-moi te débarrasser de ces oranges et commençons à les préparer, je crois. Je crois que j'ai pas trop mal lu, mais il me semble que c'était ça. Alors voyons, le compte y est. Oui. Que la fête commence. Et on sait toujours pas ce qu'a Antonio comme animal. Hein. On dirait un fourmilier, mais sa queue, elle est bizarre. Je peux enfin vous souhaiter convenablement la bienvenue sur votre nouvelle île. J'ai participé à bien des aventures au cours des années, mais celle-ci est la plus gamin. Oh, enfin. Le mensonge, là, non. Mon honnête compagnon, chiffre que j'ai stonké. Qu'est-ce que là dit? Je ne doute pas un seul instant qu'à force de persévérance et de travail, cette île déserte va. Alors. Alors, pour les gens qui devinent, mon pseudo est Lival. Et j'ai une deuxième chaîne que j'ai appelée La Ville. Et du coup, bah, on va juste l'appeler La Ville. Mais on va mettre un I tréma là, enfin un I circonflexe et un E à la fin de La Ville. Si on a accès au I bizarre. Hey, lui. Ah. Alors, est-ce que c'est là? Oula. I. Tout à fait. Putain, il y a même le L apostrophe. Ils ont pensé à tout. Lui. I. Ah. Voilà, bienvenue sur La Ville. Je vais le dire sur Discord. J'ai appelé mon île sur Animal Crossing La Ville. Oh, c'est marrant. Eh, comme s'il avait tout prévu en créant son pseudo et cette chaîne. Press, La Ville. Ah oui, c'est que des noms nuls. Mais la nôtre est la meilleure, évidemment. La ville. Oh là là, c'est beau. Oh là là, hey, il a tout prévu. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Je trouve ça beau. Bien évidemment que vous aimez tous. Et ils ne touchent même pas leurs bras, comment ils font? Regarde leurs mains, elles ne se touchent pas. Puisque tout le monde est d'accord, on va rester sur la ville. Bref, alors parfait, désormais cette île portera donc le nom de la ville. Dis-moi, Delibal, puisque tu as prouvé ta valeur en trouvant le nom parfait pour la ville, j'aimerais compter sur toi pour prendre certaines décisions importantes sur cette île. Ah ouais, mais du coup, vu qu'il n'y a personne.
délégué insulaire. Attends, que nouveau porte-parole de tes voisins. Un mot ou deux. Alors ça, c'est clairement le genre de truc que je pourrais dire. Bon, on a donné un nom à notre île aussi, à notre délégué insulaire. On a accompli pas mal de choses aujourd'hui, mais il se fait tard, il est l'heure de porter un toast. Tout le monde a quelque chose à boire, déguster ce délicieux jus d'orange, produit avec des fruits fraîchement cueillis. Ok, donc on peut faire des jus. Et fin de long discours, à la ville et au bonheur de ses résidents, santé. Donc on a trois voleurs et trois habitants qui vont se faire voler. Et qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Je pense qu'on peut... Attends. Ah, tu vois, il y a l'aéroport et je crois que c'est ça qu'il faut emprunter pour aller sur les îles des autres. Parce que d'habitude, on a la gare qui est en haut. Mais là, bah, on est sur l'île. Ellie, bah, là, tout va bien pour toi. Je sais que tu as beaucoup à faire. Alors si tu as les paupières qui font du yo, va te coucher. Ok. Oui, je m'en doutais. Putain, on l'a bien entendu, là. J'ai quelque chose pour toi. Ah, la fameuse... Ah non, lit de camping. Ok. Toto. Ah mais de toute façon on n'a pas le choix en vrai vu que on est obligé d'être proche de Tom Nook en fait. Vu que bah j'ai pas de truc là. Enfin le bah, j'allais dire un javelot mais non. C'est quoi ça? Une lampe. Lit de camping placé. Il n'y a pas assez de place. Pardon? Ah oui, d'accord. Attends, on peut pas le sélectionner. Ah si. Hé, je me disais. Voilà. Eh, les souvenirs. Voudrais-tu te reposer? Oh là là, incroyable. Je reste avec... Non, j'ai pas trop le choix en fait. Je suis obligé d'avancer comme ça. Oh, c'est Kéké. Alors comme ça, tu me traces la route. Tu mets les voiles et le cap sur l'aventure. T'as raison, sur toute la ligne, le monde est fait pour être exploré, la vie est synonyme de liberté. Après croisant l'expérience d'un bourlingueur, la solitude du voyageur peut peser lourd sur le cœur. Faut se faire des amis sur la route, un nouveau visage à chaque virage, il n'y a que le premier pote qui coûte. Oh, les rimes. Avec quelques copains dans le baluchon, tu partiras l'esprit serein vers tous les horizons. Oh, je bavarde, faut m'excuser. Surtout qu'à moins que ton réveil retarde, il est temps de te lever et de partir explorer. Mais écoute d'abord cet autre refrain à propos des copains, après tu ouvriras les yeux tout grands. Blablabla. Bon, passons. Quand tu te réveilleras, il sera la même heure qu'hier. Ah, donc là, il sera 15h. Bah, ce qui est normal, en fait. Kéké, l'une des stars d'Animal Crossing. Salut! Alors, te voilà, j'espère que la sieste a été agréable. J'ai tellement dormi. Eh mec, comment ça se passe quand les gens ils ont commencé le jeu à minuit?
quelques menus objets. C'est quoi? Waouh, un iPhone. Ah non, le Nook Phone. Ouais, ça a l'air d'être le bordel, ça, par contre. Je vais peut-être un peu vite en besogne. Y as-tu déjà utilisé ce genre de téléphone? Non. Ah. Ah, je sais. Attends, c'est quoi cette merde là? Ça veut dire que... Ouais. Ça veut dire que 10 clochettes égale à 1 miles en gros. J'ai obtenu des miles rien qu'en venant sur l'île. Ok. Bizarre. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux à présent. Et youpi! Alors, à partir de maintenant, le temps sur l'île s'écoulera à la même vitesse que dans le monde réel. Oh, le quatrième mur. Alors, est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce que Resetti existe dans ce jeu? Alors, merci d'avoir téléchargé la mise à jour. Nous avons même un petit cadeau en espérant qu'il te plaise. À bientôt pour d'autres mises à jour. Quel est le cadeau? Ah, super. Félicitations pour ton installation. Ta gueule. Sincèrement, Nintendo. Ok. Attends, je rebaisse un peu le son du jeu. Je pense que c'est bien, je vérifie. Ouais, ça a l'air bien. Bref, B retour, B... Bref. Alors, quels sont mes cadeaux? D'ailleurs, ma souris, désolé. Attends, je vais juste... Tac, tac. Voilà, là, ça répond bien. Ouvrir le cadeau. Nintendo Switch. Ah, rien que ça. Ouais, donc ça, ils doivent le donner à tout le monde. Établi de bricolage. Ok, bon. Bah, on va poser ça dans la tente. Après, juste avec ZL... Peut-être qu'on peut voir nos courriers depuis le téléphone Nook, là. On va poser la Switch là. Hein. Alors, est-ce qu'ils ont fait comme dans... Oh, ils ont pas fait comme dans Pokémon épée et bouclier, parce que normalement la Switch prend la couleur de ce que t'as, et moi j'ai la Switch spéciale Smash Bros. Oh, c'est dommage qu'ils aient pas pensé à ça. Alors ça, pourquoi ça ressemble à ça? Apprendre. Peut-être faut que je sois en extérieur pour ça. Alors, apprendre. Ah, super. Bon, bah, on va le garder sur soi. Alors, ça, attends, ZL, c'est quelle touche? Ah, c'est celle-là. Nani. On va regarder les Miles Nook. Tu rejoins le programme Miles Nook. Gagne des Miles Nook en prenant part à des activités sur ton île.
Rends-toi ensuite au bateau des résistants pour échanger tes malus contre divers avantages. Et article. Profite de tout ce que l'île a à t'offrir. Accumule des miles nook. Alors, bienvenue, récupérer. Ah ouais, 500. Ok. Pêcheur sachant pêcher. Oh. De toute façon, j'ai toujours kiffé la pêche. IRL, c'est pas trop mon truc, mais dans les jeux, j'ai toujours kiffé ça. La maîtrise, et je pense que c'est grâce à Animal Crossing que j'ai développé, on va dire ça. D'ailleurs, putain, c'est vrai, j'ai des jeux de pêche, moi, faut que j'y joue. Mais j'y jouerai un jour en stream, vous verrez. La maîtrise de la pêche est une compétence incontournable sur une île. Nooking soutient tous les résidents souhaitant se perfectionner dans l'art délicat de l'hameçon. Blablabla. Alors, dis bonjour. En coucouragement. Donc là, c'est les insectes. Donc là, faut planter des fleurs. Le commerce des fruits, alors attention. Ok. Ah ouais mec, il y a 20 000 trucs. Attends. D'apprendre à utiliser l'appli des motifs perso. Ok. Impératif de disposer des meubles. Ok. Putain, c'est chiant que ce soit de côté. Un premier message sur le panneau d'affichage vaut bien quelques miles nook, tant que ce panneau est... Ok, donc je pense, là j'ai vu qu'il y avait un truc, il n'y a pas photo, donc on va en prendre une photo. Écoute, on va juste prendre une photo simple, et normalement je gagne des miles nook, si le jeu est bien fait. Alors... Ah par contre il nous indique pas. Ah si, ok. Donc on récupère nos miles. Ok. Après voilà, il y a passeport en ordre, on va faire ça. Certaines informations du passeport peuvent être modifiées. Encourage. Alors faut que j'aille avec dans mon passeport. Ok, c'est là. Peuvent être vus par les autres joueurs. Ok, pas de souci. Tu peux changer ta photo de type. Commentaire à tout moment. La ville orange, arrivant originelle. Modifié avec A. Photo, commentaire, titre. C'est quoi titre? Oh, il n'y a pas pêcheur, genre. Il y a. Eh, est-ce que ce serait pas une référence à Animal, à Zelda? Ah, y a pas pêcheur, c'est nul. Attends, t'as bébête. Bon bah on va mettre campeur. Ouais, vas-y. Hein. Campeur du monde sauvage. Vas-y. Campeur de la ville aussi, ça aurait pu être pas mal, mais bon. Bah ça m'a l'air bon, donc normalement, voilà. Toi tu me dis lol. Voilà, on chope les miles simples à choper donc bravo. Alors il y a ça, un premier message sur le panneau d'affichage. Ouais, donc je pense qu'on va faire ça, changement de décor là dessus. Attends, l'appli des motifs perso, c'est où ça? Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est horrible. Je trouve ça très moche. Ouais, ça va, ça. Donc. Ah, donc là, j'ai pas de miles nook. Comment ça se ferait? Faut que je fasse quoi?
À toi, tes habits et les meubles uniques, surtout plein de moments. Bon, ah, bon, vas-y, c'est pas. Bon, attends, on va regarder cette histoire de panneau. Ah, ça doit être ça. Panneau d'affichage, les... Vas-y, on va créer un message, mais on va mettre n'importe quoi. Voilà. Waouh, c'est beau. Moi, j'aime. Allez, donne-moi mon argent. L'irrespect, il est là. Yeah. Alors, normalement, voilà, c'est là. Influenceur, oh là là. Oh, c'est beau ça. Ils ont pensé à tout. Bref, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, j'en sais rien. On va regarder si on peut acheter un filet et une hache. Un filet, une hache, une canne à pêche. La perche, je crois que c'est ça le nom que je cherchais. Ah, Dilibal. Bonjour, bonjour. Donc, je constate. Oh, ils ont mis un S. C'est plutôt douillet là-dedans, ce qui ne veut pas forcément dire confortable. N'hésite pas si tu as des questions sur les activités. Alors, peut-être que là, vu qu'ils nous ont demandé de chercher du bois, peut-être que pour augmenter le truc nook, faut amener du bois. Pareil pour notre maison, peut-être faudra qu'on la construise nous-mêmes, du coup. Ouais, c'est ça. Du coup, on doit construire notre maison nous-mêmes, et malgré ça, on doit payer. Donc c'est peut-être là que je peux apprendre, du coup. Ah non, je peux toujours pas. En quoi puis-je t'être utile? À propos de l'atelier. Ah! Ok. Bienvenue dans l'atelier bricolage, enfin atelier est un bien grand mot, mais on est que deux, enfin y'a que moi. Une canne à pêche, bah écoute, ça me va. Alors, 5 branches d'arbres, ok. Ah, c'est chiant par contre, il faut crafter et qu'on peut pas acheter nos items. Parce qu'avant, je me souviens, suffisait juste d'avoir le bonjour et c'était bon. Ah ouais, mais le truc, c'est que je ne peux pas aller là-bas. Attends. Oh, c'est quoi ça? Attends, on peut choper des clochettes dans les arbres? What the fuck? Ah, je savais pas ça. J'avais pas souvenir. Attends, mais c'est pas un arbre à clochette pourtant, c'est un arbre normal. Bon. Alors, si je peux rien récupérer, c'est que ce sont des arbres à orange normalement. Si c'est comme à l'époque. Ok, donc peut y avoir qu'un truc max qui tombe. Alors je me souviens plus, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il en fallait 5? Ah si, on peut en faire tomber plusieurs en même temps, ok. Ah oui, donc je peux forcer en fait. Je peux forcer comme un ouf. Ok, ben c'est bien. Putain, on va pêcher, c'est cool! Moi j'aime la pêche. On va avoir des poissons, on va pêcher un requin dès le début. Mais je pense non, on est obligé de pêcher des poissons de merde. Et... Salut! Des libales, alors tu as trouvé tous les matériaux, oui tout à fait, mais faut pas du fil, un hameçon. Genre. Alors, ceci est un établi. Au travail. Tu fabriquais une canne à pêche rudimentaire, comment ça? Tu as fabriqué une canne à pêche. Waouh! Incroyable, on vient de crafter.
Et ces trois sticks, c'est pas 5 normalement. Je vais te les envoyer sur ton Nookphone, puis je te demandais de le sortir. Oh, les petits jeunes regardaient en 2020. Waouh! Oh! Ah, tiens, j'ai un truc dans mon Nookphone pour les Miles. Parfait, merci, j'ai installé l'appli création sur ton téléphone, tu l'auras toujours à portée de patte. Oh, c'est marrant ça. C'est cool qu'on commence par de la pêche. Alors maintenant qu'on a notre canne à pêche. Bon, ça veut dire que ça, je peux la prendre maintenant peut-être. Ah ok. Ok, c'est pour ça. Donc ça, j'imagine, après, faut aller sur mon téléphone, faut que j'ai les items. Bah écoutez, je sais pas ce qu'on va faire, donc on va aller pêcher. Hein. C'est quoi ça? Ah bon, on s'en fout. Équiper. Waouh! Alors est-ce que c'est avec A? Ouais, c'est avec A. Okay. Vas-y, on va pêcher. Attends, 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 fallait que j'aille dire bonjour aux habitants. On dirait qu'il n'y a personne. Ah, bah faudrait que je le trouve. Poisson. Ah, poisson. Alors c'est là que je verrai si je vais galérer ou non à pêcher. Vu qu'avec la latence, ça va être un scandale. En fait, le problème, c'est que je suis obligé de prévoir le A à cause de la latence, parce que sinon, je peux ne pas le choper. Un chinchard. Oh putain, j'en ai tellement chopé des chinchards. C'est tellement genre le poisson le plus commun de ce jeu, je crois. Oh, un gros. Bien joué. Alors, il me semble qu'il ne faut pas les envoyer sur eux, sinon c'est pas bon. Ah, je suis trop pas loin. Je suis trop peu loin. Alors, est-ce que... Ouais, c'est bon. Ouais, mais... Voilà, le problème, c'est la latence. Les insectes, ça peut passer. Mais mec, c'est impossible. Les poissons, je vais galérer à les choper. Attends, il y en a un, là. Ah ouais, il y en a un. Il m'a vu ou pas? Ok, la prochaine. Oh putain. Eh, ça va être super dur de pêcher. Parce que vraiment, je vous l'ai dit, avec la latence qu'il y a, c'est impossible que je les chope. Bon, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Ah, il y en a bien un là. Ce papillon là qui vient de passer là, il y en a pas mal. Hein. Ah, ah bah tiens. Non. Attends, on va quand même tenter de le choper lui. En espérant l'avoir. Mais mec, c'est... Le problème c'est que j'entends... Je pense que chaque pêche... Vous les verrez jamais, je vais tout le temps retirer la Switch de son socle. Parce que c'est juste impossible en fait, je ne peux pas pêcher. Merci encore pour l'autre fois, j'ai pu monter ma tente, il n'y a pas eu de lézard. La brochure causait d'île déserte, alors je m'étais plutôt préparé pour la grande vie de naufragé. Et je suis bien jouasse. Un plan de feuilles à pluie. Quoi? Ah donc faut un item pour retirer les... Ok. Alors ouais, ça on m'a dit qu'il fallait que j'en prenne une dizaine de... Attends, bah là il y a un poisson, je vais retirer... Bon là vous verrez pas mais je vais pêcher le poisson. Oh, c'est tellement agréable avec le... Oh, je vous jure, c'est d'un agréable quand c'est en direct. Vous voyez pas, mais je suis en train de pêcher le poisson.
Enfin, j'essaye de bien mettre ma canne à pêche devant lui. Ok, là normalement c'est la bonne. Ok, il m'a vu. Ok, c'est bon, je l'ai. Bon, je vais au moins vous montrer c'est quoi. Je crois que c'est un bar. Alors, qu'est-ce que c'est? Oula, le signal. Ok, bon. Voilà, le problème c'est que si je pêche, je suis obligé de faire ça parce que il y a trop de latence. Et c'est injouable. Alors tu as pris un bar, ouais, donc c'est bien un bar. Ok. Bah je pense que je vais pas. Je jouerai, hein. Je jouerai. Attends, c'est étrange comme plan de cam. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a le plan? Ah ouais, j'avoue. Mais j'arrive pas à voir c'est quoi, attends. Attends, quand je suis. Ah, c'était mon bras. Ok. Bah désolé. Alors attends, fallait que je fasse quoi déjà dans mes quêtes? Attends, comment on ouvre? C'est comme ça. Ok. Ah, j'ai des nouveaux trucs. Bric collection. Si le bric. Oh, en fait, c'est bien, c'est des sortes de mini succès, c'est bien. D'avant, on voyait tes jambes, c'est tout. Oui, enfin mes jambes, oui et non, quoi, c'est mon pantalon. Si je bricolage ton corps, blablabla, tu recevras une quantité de malinois basée sur le nombre de plans de bricolage que tu as obtenu. Ok. Si les outils cassent, fabrique-en d'autres, tu obtiendras des mailles en fonction du nombre. Ok. Donc il faut que j'en fasse 5. Je regarde si j'ai débloqué d'autres trucs. Non, j'ai changement de décor que j'ai toujours, thermob que j'ai aussi. Maître pêcheur. Lance soigneusement ta ligne si tu veux remonter cette récompense en maille pour laquelle tu dois pêcher plusieurs poissons d'affilée sans en laisser échapper un seul. Ah ouais mec, mais ça va être chaud en fait. Ah ça mec, je peux pas le faire là, je suis obligé de le faire en off. Bah je sais pas quoi faire. On va parler à Tom Nook si je peux choper peut-être un plan de filet ou un truc comme ça. Salut! Attends. Ah voilà, je peux crafter un filet. Et ça, c'est quoi? Établi de bricolage. Feu de camp. Filet rudimentaire. Alors voilà, ça m'intéresse. Donc il me faut des branches. Ok, c'est parti, on va chercher des branches. Totoro. Et du coup, je suis obligé de retirer. Ah, ça va, là, la latence, elle a l'air d'être moins violente. Ah, si, en fait. Bon, je sais que j'ai déjà fait cette arme, mais voilà. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de choper le fameux item pour se déplacer au-dessus des rivières. Il faudrait que je trouve aussi le Antonio, là, l'autre animal bizarre. Attends, tac, tac, voilà. Blablabla, si tu connaissais l'établi. Popapa, popam, pam. Réalisable, bah tout à fait. Hop. Faudrait que je fasse un établi de bricolage aussi. Ah oui, tu as fabriqué un filet. Et ça coûte combien à crafter? Une pépite de fer. Et du bois dur. Comment on a ça? Comment on chope les pépites? Les pépites, logiquement, ça doit être en cassant des rochers, mais comment je les cache? J'ai rien pour le faire. Bon, on va déjà s'équiper de ça parce que. Attends, il s'est barré? Ah non. Oh, c'est bien, il se barre pas. Un citrin. D'accord. Alors, attends, il y a un papillon qui se balade H24. Voilà, je crois que c'est celui-là. Attends, là, t'en as un autre. T'as un citrin blanc. Une périte de la rave.
Ah, trop loin, toi, je peux pas te choper. Attends, est-ce que... Ouais, non, je peux rien en faire. Je viens de ramasser un caillou, ok. Ah, voilà, c'est ce papillon dont je parlais. Un machin. Ok, bah ça, tu vois, c'est le c'est genre le papillon qui est là H24. Il y en a plein. Ah, un autre citrin. Yes. C'est cool que je puisse les choper de loin. Un citrin, blablabla. Mais du coup, il n'y a pas de musée? Attends, je vais regarder parce que moi, c'est un truc que je kiffais compléter, les musées. Musée Animal Crossing New Horizon. Ah, le jeu m'a compris. Comment débloquer le musée et obtenir l'appel? Alors ouais, ça m'intéresse grave. Découvrez comment le débloquer. Alors lorsque vous capturez un insecte ou un poisson, rendez-vous immédiatement au bureau des résidents. Parlez à Tom Nook, dites-lui j'ai une créature, il vous remerciera, il vous demandera un conservateur de musée. Cette action permettra de débloquer l'application Bébétopédie. Ok. Donc ça veut dire que là je dois aller voir Tom Nook et lui dire PTDR. Attends, est-ce que je peux rentrer là pour voir le... Ah ok, il... Ah non, il est pas là. Bon, faut que je le trouve lui, hein. Attends, je vais juste dire bonjour à la meuf parce que je lui ai pas dit bonjour tout à l'heure, je crois. T'en veux encore? Tu peux plus t'apaiser de cette vieille, blablabla. Parle-moi d'un truc. J'ai posé mes valoches ici, blablabla. Ok. Bah on s'en fout. Bah on va voir un Tom le Nook. Ah, encore. Nya. Putain, ça me saoule. Cette latence. Putain. Ah, enfin. Bon. De toute façon, il nous faut un de chaque. Mais voilà, je pense Animal Crossing c'est un jeu, genre j'y jouerai, je pense, pas mal au début. Mais voilà, après le problème c'est que pour avancer, notamment au niveau par exemple des insectes et des poissons, je peux juste pas le faire en stream donc. En quoi puis-je être utile? En vrai, j'ai juste. Parce que là j'ai mon boîtier, et je le récupérerai si besoin et. Au pire, j'essaierai de le montrer à la cam. En quoi puis-je être utile? J'ai trouvé une créature. Oh, remarquable, mais admirons ce spécimen de plus près. Ah oui, après lequel? Attends, on va prendre ceux qu'on a en double. Remarquable, nous avons là un spécimen de citrin. Et je suis pute, ok. Qui dit ça? Ah oui, je veux Tibou, c'est justement la raison pour laquelle je te parle. Puis on va voir le Bétopédia. Ok. Je t'ai envoyé l'appli Bé... Ah non, Bébétopédie. Je crois que c'était Bétopédia, mais pas du tout. Ok. Alors maintenant qu'on a ça, pour faire venir Thibaut, il faut avoir donné. Ah, faut donner. Bah, au moins 5 créatures, mais je crois que je les ai déjà parce que j'ai deux poissons et. Une autre créature. Attends, je peux pas lui montrer tout d'un coup, je suis obligé de le faire un par un. En plus, il a récupéré mon truc, l'enfoiré. Bon, chinchard et barre, de toute façon, c'est les plus communs des poissons, donc. Ah, donc on l'envoie au conservateur, ok. Bien sûr. Merci.
Le s'il te plaît, on l'entend bien. On le voit. Bon alors là, je t'ai envoyé quelques plans de bricolage. Et on peut choper la hache, ça c'est intéressant. Eh bien, donnons-lui nos autres trouvailles. Je trouvais une créature. Une autre créature, blablabla. Alors, on t'a déjà donné le citre. Hein. Remarquable. Pas du tout. Aucun problème. C'est pas moi qui décide, c'est le jeu. Une fleur. Oh, super. Wow, trop bien. Bla 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 bla. J'ai trouvé une créature. Une créature. Oh là là, comment c'est tourné. Remarquable. C'est chiant, tu me dis la même chose tout le temps. Merci. Oh, on l'a entendu. Ah, c'est sympa ça. Ah, donc on a la dernière appli, c'est l'appli des fleurs, logiquement. Ah non, on m'a envoyé le plan, ok. Ok, donc là maintenant du coup, logiquement, là c'est le dernier. Qu'on lui donne le dernier poisson, je crois que c'est le bar. Un clipé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les trucs à récolter là. Remarquable, nous avons là un superbe spécimen. As-tu un inconvénient? Oh, j'ai un appel un instant. La ville. C'est vrai. Juste, on est d'accord que Millie Mellows sont mignons dans tous les Animal Crossing. Bah, c'est normal, c'est des petits jeunes, hein. Genre, les animaux, quand ils sont petits, ils sont tout le temps mignons, genre. C'était mon ami Thibou, le conservateur. Figure-toi qu'il va venir. D'ailleurs, tu auras aussi ton rôle à jouer. Ah, caisse. Un emplacement pour Thibou. Oh, vas-y, on va le mettre pile à côté. On va tout mettre à côté. Ça va être génial. C'est parti. On va mettre Thibou à côté de chez nous. Ah, attends, est-ce que je laisse celui-là? Ah, il est trop loin. Mais ouais, je l'ai déjà, donc c'est pas grave. Tiens, genre là. Bien là. Vas-y, on va pas trop... Le problème, c'est que l'espace est vraiment tout petit. Hein. En vrai, on va le mettre là par rapport à la carte. Je suis où? Ah ouais, c'est chiant, en vrai. Vas-y, en vrai, on va le mettre genre là. Ah ouais, mais il y a la plage et tout. Vas-y, ici c'est bien, regarde là. Là, on a pas mal d'espace. On va le mettre là. L'espace, ouais, c'est pas mal. Imaginons, on va quand même regarder ce que ça donne.
Mais du coup, ça retire un arbre, c'est pas cool ça. Thibaut a un emplacement, il va pouvoir s'installer. Donc, Thibaut sera considéré comme un habitant à part entière. Et là, on a quoi? Ah, on peut récupérer des miles. Bah, sur quoi? Attends, je vais regarder parce que je sais pas sur quoi je peux les récupérer. C'est juste j'ai avancé. Ah non, ici. Ok, si le bricolage te colle, blablabla. Ah, c'est les plans que j'ai obtenus, ok. Ok, ça marche comme ça. Attends, et après je voulais regarder. Le bébé topédie. Oh. Oh là 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 là. Regardez les millions d'insectes. Putain, il y en a plein. En termes de poissons. Ouais, par contre, au niveau des insectes, tu vois bien que j'ai vraiment obtenu les plus communs, quoi. Alors, je crois que c'est un nouveau là-bas. C'est pas du tout un nouveau. Bah écoute, je pense qu'on va faire, c'est que, genre, tous les insectes qu'on va se balader, on va juste les montrer à Tom Nook ou les vendre. Ah, un poisson. Bah, vous savez ce que ça veut dire. Hop, voilà. Et vous ne verrez plus rien pendant quelques secondes. Le temps que moi, je me fasse mon... ma pêche. Attends, il est où le poisson? Il est là. Tac. Ah merde. Bah écoutez, j'ai fait de la merde, j'ai vu que je voyais pas, j'ai eu un réflexe d'appuyer. Alors, est-ce que la switch s'est bien mise? Ouais. Tac, tac. Alors, je sais, c'est pas pratique, mais croyez-moi, je ne peux pas faire autrement. Parce que sinon, bah juste, je rate toutes mes pêches. Ah! Salut! Hop! Bon, allez, celui-là, je le chope, parce qu'avant, j'ai juste fait de la merde. Allez, tourne la tête vers moi. Putain, il a pas tourné la tête. Putain, mais le problème, c'est que cet enfoiré, il est pile là où il ne voit pas l'hameçon. Ah, c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais choper? Je sais pas. Je ne le vois pas moi-même. Attends, j'essaye de remettre la switch. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on a chopé? On a pris une perche jaune. C'est bien. Ah, attends, là on a un autre citron équipé. Nye. Ouais, trop loin. De toute façon, je pense que je vais... Ah si, attends, c'est un petit poisson là-bas. Je suis vraiment désolé de faire ça, mais au début du jeu, franchement, on n'a pas grand-chose à faire. Donc, je vais m'occuper des pêches. Des pêches, enfin, de la pêche. Alors, je suis trop loin, mais voilà, il s'amène. Ah, putain. Le truc, c'est que, genre, il y a un moment où il met 20 ans à venir, et je me dis, ok, c'est le moment. Je peux le choper, et ça marche pas. Donc, je suis vraiment une merde en pêche, en fait. Mais c'est juste... Faut juste que j'essaie de bien rechoper le mécanisme. Et hop. Ah, c'est beau, hein. Et vous voyez tout, hein, en plus. C'est ça qui est incroyable. Est-ce que c'est pas ça le streaming? C'est de ne pas montrer ce qu'on fait. Ok, il m'a vu. Ok, lui, je le chope. Ok, je l'ai eu, putain, enfin. Alors, je sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai vu que je l'ai chopé. Et que c'est un poisson, parce qu'évidemment c'est pas marrant, mais on peut ne pas choper des poissons. Alors bien joué. Pff, aucune idée de ce que c'est. Tu as pris une bouvière. C'est pas la femelle du bouvier. Bon, on regarde vite fait s'il n'y a pas d'autres poissons. Là, il y en a un. Là, je vais le prendre. En espérant que ce ne soit pas un bar.
Ok. C'est quoi? Oh, dégueulasse. J'ai chopé une sèche, je crois. Je sais pas, à vous de me dire, est-ce que c'est une sèche? Un calmar, putain, quasiment. Bloup bloup. Bon, c'est cool. En vrai, j'aimerais bien. On va regarder le. L'aéroport là. Enfin, l'espèce d'aéroport. Un mini poisson. Attends, il est où? Il est là. Attends, on va essayer de le pêcher ensemble. Même si ça va être un peu galère. Attends, faut que je m'éloigne un peu. Tic, tic. Voilà. Ok, je vais le faire par rapport au son. Je suis vraiment un connard. J'ai entendu le petit pouic et du coup bah, j'ai directement relevé ma canne. Bon, toi, je peux enfin te parler. Pouette. Waouh, une casquette militaire. C'est parfait, cela me correspond tant. Tu me connais si bien, Antonio. Ah, le quatrième mur, c'est cool. J'aime détruire les murs. Alors ZL. Alors Bétopédia, bon, je vais pas regarder parce que je sais que j'ai attrapé des nouvelles choses. Alors remplis ton Bétopédie, blablabla, avec 5, ok. Tout ce qui grouille. Tu peux gagner des mals en remplissant ton Bétopédie. Ok. Mais c'est tout, je peux pas récupérer des. J'ai juste des nouveaux. Non, je peux récupérer des miles. Ah bah oui, ici, ok. Alors, encouragement qui. Ah voilà, il faut parler à ses voisins. Ok. Donc, faut que je le fasse 10 fois maintenant. Donc, est-ce que c'est tout? C'est tout. Service d'aide. Bon, on va regarder, hein. On doit avoir des Miles Nukes, c'est une blague. Non. Bien sûr que non. On va porter la casquette parce que ça prend de la place. En quoi c'est militaire? En quoi c'est militaire? Oh, cadeau. Ah, mais faut un lance-pierre, non? Les enfoirés. Putain, il y a des papillons partout. Mec, il y en a plein. C'est ouf. Mais je sais pas si c'est vraiment des papillons de base du jeu, où il y en a vraiment, genre, partout. Ou si c'est par rapport à mon île, parce que j'ai. Là, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de citrins. Il te manque encore une orange et un pamplemousse. Et peut-être ils disent ça parce qu'on a les oranges de base. Je sais pas. Alors c'était pas le papillon que je recherchais. Bon, on va choper tous les papillons, on va les vendre. Hein. Enfin, si on peut vendre, parce que je sais pas, j'ai toujours pas vu si on pouvait. Ah! Oh, c'est chiant ça! Oh non, c'est Breath of the Wild. Oh, c'est chiant ça. Ah, donc on n'est pas obligé de choper des espèces différentes. Œuf frais. Quel est. Pourquoi? Ok. Ah, donc j'en ai un deuxième. Je pense que c'est. J'ai obtenu un truc. Ouais, parce que ça s'est cassé. Alors, est-ce qu'il me reste un truc? Non. Ok. Bah, on va le recrafter, hein.
En vrai, je vais voir si on peut crafter notre propre truc de bricolage. Ça peut être intéressant. Et les balles. Je suppose que tu trouves un emplacement convenable pour que Tibou s'y installe. Ah oui, c'est vrai que je... Vous savez que je pouvais compter sur toi, merci. Je vais tout de suite dire à Thibaut qu'ils peuvent venir. Je connais plein de moyens de me payer. Si tu l'utilisais pour bricoler. J'aimerais bien faire mon propre établi du coup. Oh putain. Ça fait beaucoup ça, non? Oh, c'est chiant. Il y a plein de trucs à faire. Rien à foutre. Ah, moi, je veux juste me faire mon propre établi. Une pépite de fer. Ouais, je. Si je me souviens bien, avec l'âche, on peut casser des. Ouais, arrêtez. Oh, c'est chiant si ça se casse. Ah, va falloir tryhard pour choper les items en or. En plus, il y a toi là. À tous les coups, je verrai un nouveau papillon. Mais c'est sûr en fait. Ouais, j'ai déjà dû prendre tout ce que je pouvais sur cette arme. Lui aussi. En même temps, je vais tout le temps sur les arbres du haut. Ah. Peut-être qu'en forçant. Non. Voilà, donnez-moi des bâtons. C'est ça qu'on veut. Ah ouais, donc non, en fait, je crois qu'un arbre donne des bâtons à l'infini. Et je pense que ça se vend très peu cher, vu que si on peut en avoir à l'infini. J'aimerais bien vendre. J'aimerais bien savoir comment on fait. On utilise l'établi, tout à fait. Je voulais faire quoi moi? Ah ouais. On recrée un filet. J'ai le hoquet. C'est ridicule. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va casser des rochers pour voir ce que ça fait. Est-ce qu'on peut tuer des gens? Ah, on peut pas, dommage. Tuer des gens. Ah. Ok, donc c'est bien ça. Pépite de fer. Est-ce que je peux casser ce rocher? Ah, donc je crois que j'ai terminé avec. Ah, c'est quoi ça? Plus de place. Ah oui, merde. Bon, ça, je m'en fous. Pépite de fer, on prend et le reste, on s'en fout. Putain, comment il court. C'est très bizarre. On dirait qu'il galère. Ouais, c'est magie. Vous avez vu comment ça s'ouvre? C'est magie. C'est pas magique, c'est magie. Et si tu utilisais l'établi? Tout à fait. On va faire bah, l'établi. Ah, je peux pas. Ah merde, il me faut du bois dur. Comment on a du bois dur? Ah bah peut-être avec Clash. Ah, Liba lui. Bonjour, bonjour. Et attends, on est obligé de payer avec des miles? Ah
Ah, donc c'est à lui qu'on... Attends. Pff, non mais attends, tu te fous de ma gueule, genre ils ont ça. On ne fait pas que vendre, on achète aussi. Ah putain, enfin. Ok, donc c'était à lui qu'il fallait que je parle depuis le début. Bien sûr, mon gars. Achète-moi des trucs. Qu'est-ce que tu veux? Ah. Bon, ça, on s'en fout. Ça. Ouais. Par contre, tout ça. Voilà, ça nous fait peut-être 2000-3000, ça. Oh, que 1700! Oh, l'arnaque. Ouais, donc, c'est vraiment les papillons ne donnent rien. Hein. En même temps, ils sont super communs, donc ça se comprend. Ouais, attends 2 secondes. Je vais juste. En quoi puis-je t'aider? Ah, donc maintenant, pour les poissons, faut que j'aille voir Thibou, je crois. Alors, est-ce que Thibou est là? C'est une bonne question. Alors, les miles. Alors. Bon, cette fois-ci, je sais à quoi ça ressemble. Voilà, donc toi, hop. Seconde main. Alors. Vendre ce dont tu as besoin est un excellent moyen de se débarrasser. Tout à fait, bah, c'est même l'essence des jeux. Alors, j'imagine que c'est la seule chose, ouais. Ok. Attends, il y avait juste. Voilà. Ça, je veux la prendre. Maintenant, on fait faire un faille à pluie. Ok, maintenant on va niquer des arbres. Ok, donc c'est bien ça. J'imagine que c'est ça le fameux bois. Ok, bah on va carrément niquer l'arbre, hein, je pense. Ah, c'est pas bon. Du bois. Ah, y a pas forcément que du bois dur. Hein. Enfin, le bois que je veux là. Oh, c'est nul. Ok, je me suis dit, est-ce que le premier bois c'est forcément celui qui m'intéresse, mais non. Ah, c'est pas le même ça, non? Ou c'est... Ah non, c'est juste un effet d'ombre, ok. Bon, par contre, c'est sûr en fait, mais il va se casser là. Elle va se casser donc. Voilà, je récupère une pierre. Au cas où pour recraft. Et là, normalement, j'ai assez de bois, on vérifie. Ah non, j'en ai 4. Attends, j'étais sûr d'en avoir assez. Ok, là, on en a 5. Donc maintenant, on peut faire notre établi. Et encore ce papillon-là. Ce qui est bien, au moins, c'est que les papillons qui se baladent, ils seront simples à choper. Mais par exemple, sur des arbres, tu vois, je retirerai ma switch et j'essaierai de le choper moi-même. Si je suis en stream, hein, évidemment. En vrai, il y a un truc qui m'intéresse, c'est d'aller sur une autre île hein, pour choper, tu vois, des noix de coco. Ah, c'est ça le feuille à pluie là. Ça sert à rien. Alors, réalisable. Bah ouais, bah maintenant je peux du coup. Tout de suite. Et je pense qu'on peut le poser devant chez soi parce que j'ai vu qu'on pouvait. On pouvait laisser des choses devant chez nous. Parce que ça prend trop de place, ça, donc ça rentre pas chez nous. Regarde pour la. Attends, pour la miniature. Attends. Attends, on va se mettre là.
Ah ouais, on peut changer. Ah ouais, cette vision, elle est nulle. On garde. Oh, c'est beau. Voilà, miniature prise. Continuons. Alors, est-ce que je peux lâcher du coup mon plan ici? Ok, donc je peux vraiment le placer là. Oh! Oh! Oh, c'est génial! Je viens de découvrir un truc. En gros, avec les petites flèches en dessous du stick gauche, on peut changer comme ça. Ok, cool. Du coup, attends. Attends, mais ça sert à rien, c'est. On peut pas l'utiliser? Ah, mais d'accord, mais ça sert à rien en fait. Bah, on va le laisser par terre. Putain, j'étais sûr qu'on pouvait faire des choses, mais ça pue la merde. C'est très nul. Bon, on va aller voir Thibou. Parce que vu que j'ai des nouveaux poissons, j'aimerais lui montrer. S'il est là, mais je crois qu'il est pas là. Ici, ça sera bientôt. Alors, comment on chope Thibou? Ah, ça prend une journée. Ok. Après, pour débloquer le musée, Thibaut acceptera volontiers de vous délester de vos insectes et poissons. Pour débloquer le musée, vous devrez lui faire un don de 15 poissons, insectes ou fossiles. Ok, donc c'est Thibaut qui va nous donner la perche et les pelles. Ok, donc il n'y a vraiment pas le choix en fait. On est vraiment obligé de choper Thibaut. Enfin, tôt du moins. Attends, est-ce que c'est un nouvel insecte? Non. Bah, du coup, ce qu'on va faire, bah, j'en sais rien. Bah, je pense qu'on va aller voir l'aéroport pour voir si on a des choses à faire. Mais ce que j'aimerais faire là, c'est juste poser les insectes et tout. Enfin, les poissons surtout. Exhiber. Non. Y a pas assez de place. Ouais, mais te fous pas de moi, c'est un petit poisson. Voilà. MDR. Il est tellement petit qu'il tient là. Voilà, comme ça on a tous nos poissons qui sont là. On peut construire des ponts. Bon, de toute façon, je pense que ça c'est pas pour tout de suite. Alors j'imagine qu'on a chopé une quête pour avoir placé nos poissons. Ah non, on a des nouveaux trucs. Pêche, bûcheron, bûcheur. Le développement insulaire chez nous, King, c'est notre passion. Il nous faut donc des matériaux, c'est pourquoi nous vous offrons des miles. Tous les apprentis bûcherons en fonction de la quantité de bois récupérée. Ok. Alors blabla, tu récoltes des meubles. Ok, donc j'imagine que les fameux meubles... Les fameux meubles, là, c'est ce que je viens de créer. Ça y est, tu as ton oufone bien en main. Tu lis ça probablement, blablabla. Ok, bah ça serait bien si on arrivait aujourd'hui à faire le premier remboursement. Alors, j'ai pas compris le truc. Offre des meubles à ta maison. Ah, ok, donc c'est les fameux poissons et tout. Bah écoutez, bah demain on rejouera déjà pour choper le truc de Thibaut. Et là, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, l'aéroport. D'ailleurs, s'il y a un poisson, je tente de le prendre. D'ailleurs, moi, faudrait que je change la luminosité parce qu'elle est dégueulasse. Allez, tourne la tête. Ok. Oh putain, déjà? J'ai chopé quoi? Je crois que c'est une sole. Ouais, il me semble que c'est une sole. C'est plutôt bien une sole. C'est comme le type sol dans Pokémon. Attends, pourquoi ça bloque? Voilà. Bon, heureusement que le stream ne crache pas quand je fais ça. Enfin, je crois. Ok, alors. Tac. Tac. Hein, comme je vous l'ai dit, mais à chaque pêche, je vais faire ça. Ok, donc on a un nouveau poisson. Bah, on le mettra chez nous. Non, ça c'est pas un nouvel insecte.
Ok. On va le placer. Voilà, comme ça, on les donnera à Thibaut. En plus, la sole, elle a une gueule, mon gars, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Dodo. J'ai vu aussi là qu'il avait un plus grand inventaire que le mien. Oh putain, c'est vachement grand. Dodo Airlines. Ok. Bah demain, hein. Ah, c'est pour ça que les gens ils disent qu'il y a plus grand chose à faire. Enfin, la première journée, ouais, enfin, tu fais les trucs du début, on va dire, et après, bah, on t'invite juste à rejouer le lendemain. Parce que là, Thibaut, je suis obligé d'attendre demain. Lui, je suis obligé d'attendre demain. Donc, bah, je pense qu'on va juste pêcher, hein, pour l'instant. On va choper ce poisson. Je verrai ce qu'il me donne, mais il a l'air d'être assez petit. Ah, je l'ai pas. C'est quoi ça? Attends. D'ailleurs, je vais monter le son parce que je me fie plus au son. Je me fie plus à mon ouïe qu'à ma vue parce que sinon je me fais avoir quand je pêche. Voilà, vous l'avez vu peut-être, mais c'est un truc qui a l'air dégueulasse. Un gobie d'eau douce. Là, c'est pas beau. En plus, il avait l'air petit, il est énorme. On regarde s'il n'y a pas d'autres poissons. Ah, là, il y a un truc à fossiles. Ah, attendez. Ouais, je t'ai vu, toi. Hop. Voilà, donc vous avez vite fait le son, hein, comme ça vous savez que je joue. Ok, nickel. Allez, je regarde pas, je me garde la surprise. Putain, j'arrive pas à bien le mettre de temps en temps, c'est chiant. Voilà. Alors, tac, tac. Alors, est-ce que je l'ai déjà? Je crois que je l'ai. Voilà, perche jaune, je l'ai déjà. Gobie d'eau douce, putain, dégueulasse, hein. Imagine où je sois pas un requin. Non, je pense qu'au début du jeu, on peut pas. Bon, encore une fois, hein, je m'excuse, mais c'est le début du jeu. Le début du jeu, enfin, surtout, ouais, j'ai pas trop le choix. Et je vais encore pêcher le poisson. Attends, je mets juste ma Switch de sorte à ce qu'elle soit simple à récupérer. Ok. Alors, est-ce que j'ai chopé un nouveau truc ou non? Réponse maintenant, maintenant. Alors, ça lag un peu. Ah. Oh, ce truc-là, je crois que... Attends, est-ce que... Un carassin. Ah non. Ok, donc non, c'est pas ce que je pensais. Non, mais je sais, il y a un poisson que tu chopais H24. Et moi, perso, ça me saoulait parce que j'avais tout le temps le même poisson. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on en a besoin. Poisson, non pas poisson. Poisson, ok. Du coup, tous les nouveaux poissons, je les mettrai tous chez moi. Alors, est-ce qu'il m'a vu? Non, il m'a pas vu, faut que je relance. Putain, si seulement je pouvais jouer sans bug comme ça, mais vraiment. Je sais pas comment faire. Allez, tourne la tête, tourne la tête. Enculé. Mais genre là, c'est pas bon.
En fait, je tire pile là où il voit pas. Genre, c'est teubé les poissons dans Animal Crossing, par contre. Ah là, c'est bon là. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah bah enfin. Voilà, et en plus je le chope. Ah, je crois que c'est une seule par contre. Et on l'a déjà. Donc on va la vendre. Alors, est-ce que c'est une seule? Il m'a semblé voir une seule, hein. Ah non, c'est une limande cette fois. Attends, mais avant j'avais une limande ou une seule? Ah! Oh non! Elle était bien pratique. Oui. Attends, je veux pas être dégoûté, donc au cas où je vois un poisson qui a l'air rare. Alors la pêche, donc on a pêché 10 poissons. Ok. Donc on peut pêcher 10 poissons max. Et j'imagine les insectes, bah c'était pareil, il me semble. Ouais, 10. Ok. Attends, mais il suffit que je regarde dans le Nukephone là. Dans le bébé Topedi. Si on a la limande. Attends, la limande et la sole. Non, on a. Ok, donc on a juste chopé deux limandes. Ok, donc il n'y a pas de sole en fait. Et la perche, on l'avait déjà. Bah on va vendre tout ça. Attends, qu'est-ce qu'on a de nouveau là? On a le gobie, donc le gobie on va le mettre en sûreté. On va également récupérer des bâtons. Bon ça je récupère, hein, ça prend juste de la place. Ça je vais le mettre là. Voilà, là, la radio, on s'en fout. Par contre, la Switch, ça se garde. Ça. Attends, est-ce que je peux pas la tourner? Ah si. Bon. Poisson. Voilà. Exhibé. Non. Tada! Oui, c'est moche, on sait. Ouais, le problème, c'est que du coup, je me mets dans une position, mais. Le jeu me tourne et c'est pas cool. On peut les mettre les uns sur les autres, c'est bien ça. C'est plutôt pratique. Je vois, t'as Linka, Mastu, Link. Ils sont tous sur Animal Crossing, tout le monde est sur ce jeu. Tout le monde en a marre sur Twitch parce que tout le monde joue à ce jeu. Yo! Bienvenue, que puis-je faire? Achète-moi des trucs. On va vendre tout ce qui est coquillage, la radio, parce que franchement on s'en fout. Ça parce qu'on a déjà, ça parce qu'on a déjà. Ah non, le carassin il est nouveau. Donc non, on va garder notre carassin. On va le poser. Là, normalement, il va nous donner pas mal. 1100. Mais mec. Attends, il est super surprenant. Bah, oh mon dieu, est-ce que ce serait vraiment ça? Et là, bah, il dit, bah non, en fait, c'est de la. Que mille. Je pense que c'est parce que c'est un poisson qu'ils avaient pas encore. Bon, c'est cool. Pour l'instant, le jeu a vraiment, on va dire, cette ambiance tant propre à Animal Crossing, donc c'est cool. Elle fait tomber une dernière bûche. Enfin, un dernier bâton. On va recrafter une canne à pêche. On va continuer, je pense, de pêcher. Et je pense qu'on va faire, on va s'occuper des succès pour monter notre maison, là. Enfin, pour améliorer. Enfin, vous comprenez. Au travail. Ouais.
ne veux pas bricoler. Oh non, non, non. Ah donc, est-ce que... Ah, j'ai re-obtenu un succès. Donc voilà, le but, je pense qu'on va faire, vu que les... c'est chiant à fermer les clochettes, on va juste fermer les succès. Donc c'est le cinquième item que je craft. Donc là, vous voyez, là, il nous en manque que 300. Donc je pense qu'on va essayer de chercher des trucs simples à faire. Genre ça et ça. Donc là, il faut que je pêche encore 10 poissons d'affilée. Et les fruits de la mer, il m'en faudrait 5. Donc je pense qu'on va faire ça. Mais d'abord, évidemment, on va mettre notre carassin là. Et on le donnera à Thibaut demain. Peut-être je jouerai un peu tous les jours au jeu. Enfin, de mon côté, j'y jouerai. Je pense. On verra. Normalement, je peux poser le carassin dessus. Ouais, c'est cool. C'est cool qu'on puisse faire ça. Dans les autres jeux, on pouvait pas, je crois. Ok. Alors. Alors là, on a un poisson. Je préférerais des poissons de la mer. Ok, donc là, le but, c'est de pas se rater. Donc, dès qu'il me capte. Ok. Ok, 2-6. Alors, ah, je l'ai pas, lui. Lui, c'est sûr, je l'ai pas. Donc, on va le mettre avec les autres dans la maison. Alors, on a un anchois. Ok. Mec, incroyable si je chope un requin. Par contre, c'est chiant parce que vraiment, au niveau des insectes, il y a les mêmes tout le temps, genre. Genre, ça change pas. Il y a que les mêmes. Alors, je regarde, peut-être il y a des poissons ici. Est-ce que je peux pêcher d'ici? Ah, ouais, je peux. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des poissons. Attends, est-ce que c'est le même papillon? Ouais. Ouais, c'est chiant. Au niveau des insectes, c'est très limité pour l'instant. Mais déjà, de nuit, t'en auras plus. Alors là, on a un nouveau poisson. Donc, hop. Ok, et de 7. Alors lui, je l'ai déjà. Ah non, un chinchard. Est-ce que j'ai déjà le chinchard? En vrai, faudrait que je regarde à chaque fois si j'ai déjà le poisson. Parce que le chinchard, j'ai déjà oublié si j'en ai déjà eu un. Mais je crois que oui. Je crois que j'ai déjà eu le chinchard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans le Pédia là. Et est-ce que j'ai déjà eu un chinchard? Ah oui, le chinchard, je l'ai déjà eu. De toute façon, le chinchard, on va voir, mais c'est super commun. Ouais, voilà, on le trouve tout le temps. Donc le chinchard, c'est pas grave si on l'avait pas. Ok, donc là, si on a un nouveau poisson, on le met chez nous. Ah, coquillage de 6. Ah, poisson. Vu qu'il est assez gros, c'est peut-être un bar. Putain, l'enculé, il m'a fait des feintes. Ouais, c'est un bar. Putain, cet enfoiré, il m'a fait des feintes. Genre, à chaque fois que j'entendais le tchouf, j'appuyais inconsciemment. Il m'a fait des feintes, cet enfoiré. Ouais, je joue. Moi, je pêche les yeux fermés, mon gars. Parce que sinon, bah, j'arrive pas. Un bar commun. Ah, donc, il y a des bars non communs. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Bathopédie. Quoi? Ah, un bar commun, c'est pas le même poisson. Ah, ok.
Ah oui, la commun, ouais, on le trouve tout le temps. Et toi, toi aussi, ok. En vrai, je pense que le mieux à faire, c'est dès que j'ai un nouveau poisson, je vais juste le poser chez moi, comme ça j'oublie pas. Mais là, de toute façon, à part le chinchard, normalement, c'est que des nouveaux, je crois. Toute façon, on verra, genre. Mais c'est bien qu'ils aient mis ça. Parce que, mec, je connais pas par cœur les poissons et je sais pas qu'est-ce qui me manque. Hein. Ok, alors le chinchard, on l'a déjà, par contre, l'anchois. Attends, l'anchois, c'est petit, donc. Hop. Et on a quoi? Un clipéastre. Placé. Ouais, il prend deux de place. Hein. Placé. Ouais, c'est un petit poisson. Ok, bah on va continuer de pêcher. Attends, mais il me semble que. Ouais, voilà, dans le Miles Nook, on avait des trucs. Ichtyologue. Insulaire, je crois. Remplis ta bébé Poupédie de poissons, blablabla. Donc là, on a 10 poissons, ok. Attends, on va regarder si c'est 10 poissons différents. Ou non. Donc là, on en a 5. Et là aussi, ok, donc c'est 10 espèces différentes. D'ailleurs, il me semble que là, faut juste qu'on chope un poisson. Attends, c'est. Je crois que c'est un nouveau papillon, lui. Il me semble que je l'ai pas. C'est pas un cyprine, ça. Ah si, un citrin, ok. Non, j'ai cru que c'était pas le même. Ok, bon, on repart sur la pêche. Et attends, je vais vérifier, mais il me semble qu'il me manque un seul truc là. Là, du poisson maître là. Ah non, il m'en manque que deux encore. Ah, c'est chiant d'affilée, hein, parce que mec, ça veut dire genre faut que j'en fasse 50 d'affilée peut-être. Ok, un nouveau. Alors, est-ce que je l'ai? Putain, il a tourné la tête. Cul. Ouais, il est trop loin, je peux plus le. Ah, si, je peux peut-être l'avoir. Est-ce qu'il m'a vu? Il m'a vu, ok. Ok, mais je l'ai directement chopé. Ah, lui. Ouais, je l'ai pas. C'est pas un poisson-chat, mais il a des petites moustaches. Ok, donc ça fait 9 poissons. Ouais, cet enfoiré, il s'est barré, genre. Ok, une loche d'étang. Ok, donc là, il était à la limite, mais. Ok. En vrai, je pense que c'est plus intéressant de pêcher à la mer pour l'instant. Parce que c'est plus simple pour moi de les avoir. Ok. Donc, dernier poisson, et on chope un succès. Si je réussis, évidemment, à l'avoir. C'est vrai qu'ils sont insupportables. Ok, et 2-10. Et j'ai encore une Limonde. Une Limonde. Je dis Limonde par rapport au Pokémon, mais voilà. Bref, on est à 10 poissons d'affilée, donc c'est cool. Je vais peut-être m'arrêter un peu au niveau de la pêche. Sauf si c'est vraiment un poisson, genre nouveau, un poisson lune ou un poisson avec une aileron qui sort. Donc voilà, donc ça c'est cool à ce niveau-là. Donc le Miles Nook. Alors voilà, on chope Maître Pêcheur, ce que je voulais. Donc maintenant, il faudrait que j'en chope 30 d'affilée. Ah non, 50. Oh, mec, c'est insupportable. Ah, c'est le genre de truc que tu fais en off, ça. Hein, parce que, mec, de choper 50 poissons d'affilée, c'est pas dur, mais. C'est chiant parce que 50, mec, c'est beaucoup. Hein. Après, j'espère que c'est pas 500, mais. Parce que vraiment, ça ferait trop.
Bon, je vais regarder le Petya là. Le truc Pedia. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Le chincharnant. Voilà, il y a la lotte. La loche, c'est pareil. Ah, c'est un petit poisson, donc on peut le mettre ici normalement. Voilà. Ok, bah ça me paraît bien niveau poisson, mais j'aimerais bien du coup refaire un petit objectif. Un petit succès pour qu'on monte aux 5000. Attends, avant évidemment, on voit qu'on a bien eu la loche. Mars, avril, mai, ok. Qu'on n'a pas eu de nouveau. Hop, et ça c'est quoi du coup? Mauvaises herbes. Ok, intéressant. Et là, la carte qu'on n'a jamais ouverte non plus. Donc là, on voit les maisons, aéroport, tente de Thibou, bureau des résidents. Ok, intéressant. Ah, je vais retirer la mini-carte, elle est un peu gênante. Parce que là, je l'ai activée pour voir, mais je ne suis pas trop conquis. Voilà, comme ça. Voilà, elle est masquée en déplacement. Poisson, bah on a dit qu'on les prenait plus. Attends, il y a un insecte que j'ai pas là. Mec, il est où? Je crois qu'il est à gauche, hein. Attends, quand je vais là. Voilà, je l'entends plus à droite qu'à gauche. Insupportable. Ce papillon, bah, c'est le même, hein. Bon, vas-y, on le prend. Je pense qu'on va aller vendre un peu ce qu'on a. Vas-y, on récupère ça. Je regarde s'il n'y a pas des coraux ou des trucs à récupérer. Mais toi, tu veux quoi là? Pourquoi t'es là? Je lui ai jamais parlé d'ailleurs. D'accord. Donc, tu ne sers à rien. Tech allure. On va regarder les succès qu'on a à faire. Ah ouais, ok. Remplis ton bétopédia. Ok, on s'en fout. Alors ça, c'est l'encouragement. Ouais, donc ça, faut le faire chaque jour. Donc c'est mort. Ça, c'est mort. Tu peux gagner des bébêtes en remplissant ton bétopédia, c'est débloquer toutes les entrées, c'est trop. Retrouve le plus d'insectes possible. En fait, il me faut juste des trucs simples à faire. Ah, ça peut-être. Tu bricoles des meubles. Ok. Donc je peux peut-être faire ça. Donc bricoler des meubles. Ok, donc on peut récupérer du bois. Bah, on va faire ça. On va récupérer du bois et on va profiter pour crafter des choses. Toi, tu drops rien. Je pense que mon hache n'est pas assez puissante pour casser les trucs. Bizarre que je puisse pas les casser. D'ailleurs, j'ai jamais pris de fruits.
Parce que je sais, on peut les manger, mais si ça se trouve, ça sert enfin à quelque chose. Hein. Merde. Ça va, les mauvaises herbes, c'est pas moche. Alors, est-ce qu'elles servent à quelque chose, les oranges? Ouais, on peut les manger. Ah, on a une barre de bouffe. Alors, à quoi ça sert? Attends, je vais regarder sur internet. Attends. Attends, on va remanger. Oh, attends, on l'a ce papillon ou pas? Ah, ça. Non, c'est pas un macaron. Reviens! Viens vers moi! Je ne t'ai pas! Viens! S'il te plaît! Je ne t'ai pas! Allez, viens! Viens! Putain, cet enculé! Tiens-le! Tiens-le, je te dis! Oui, viens vers le filet! Non, on va pas là-bas! Putain d'intelligence artificielle! Après, vu ses mouvements, il a l'air de se diriger vers mon filet! Oh, insupportable. Ah, il se barre trop loin. Je pense que tant que j'ai pas débloqué la perche, bah déjà j'ai vu, je débloque pas les fossiles. Et de deux, bah je pense qu'il y a plein d'insectes que je ne peux pas avoir parce qu'ils sont tout simplement trop loin. Alors ouais, voilà, c'est là que je voulais tester. On peut faire des trucs avec les rochers quand on a de la bouffe. Ah ouais, on peut casser les rochers. Mais les rochers ils respawnent normalement. Donc ça veut dire on peut casser les rochers qu'avec ça. Ok. Et peut-être que je peux casser des arbres aussi du coup maintenant. Ah non. Bon. On va. Je pense qu'on va récupérer du bois jusqu'à ce que notre hache casse. Ah nickel. Malzinouk, du coup normalement c'est le bûcheron. Ça c'est un truc super simple à faire. Ok, on a 5000 donc je pense maintenant on va recevoir un truc qui nous dira hé, PTDR, viens me voir. Ah non, même pas. Attends, je sens que ma chaîne YouTube vous allez me détester parce que je vais spammer des trucs. Hein. Bonsoir, alors. Ah, Delibal. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Je dois faire quoi à propos de l'emprunt? Bah attends, mais là, je les ai mes 5000. Oh, tu veux t'acquitter de tes frais d'installation? Eh bien, cela nous fera 5000 miles. Voilà pour toi. Merci. Et nous disions donc 5000. Donc des frais d'installation, donc 5000 ça correspond à 50 000 clochettes, ce qui est pas trop dégueu. Alors, te voilà déchargé de tes dettes, libre de... C'est une vraie question, laisse-moi formuler mon nom, tu n'es pas les trois dans ta tente. Ça peut aller. Ce trou père, ce paradis brut en lieu accueilli. Ok. Je pense que les miles on les... Je sais pas. Bah ça dépend de ce qu'on peut choper avec les miles, mais je pense qu'on... Je pense qu'on va pas les gaspiller non plus. Mais du coup je peux pas agrandir ma maison là. Normalement vu que je me suis acquitté de ma première dette. Merci d'avoir réglé tous tes frais d'installation, il y a de quoi être fier. Ok. Et du coup c'est tout?
propos de ma maison. Bah, c'est surtout que j'ai pas de place pour mettre mes poissons. Un prêt de 98 000. Ah, ok. Soit 10 000 trucs là. Allons-y, c'est parti. Oh. Oh, pour le toit, vas-y, on part sur du bleu ciel. C'est quoi du turquoise? Attends, turquoise, c'est, je crois que c'est ce que je recherche, mais je suis pas sûr. Ouais, le turquoise. Ah, c'est clairement ce que je veux. Ok, go. Ouais, du bleu ciel, du turquoise, c'est pareil. J'ai mis ton profil de membre à jour. Dorénavant, tu profiteras des avantages du Miles Nook Plus au sein de l'appli Miles Nook. Tu pourras notamment engranger des miles supplémentaires lors de certaines grandes occasions. Bla 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 bla. Alors. C'est après-demain. Ouais, donc du coup, je sais pas si on va continuer très longtemps parce que, genre, demain j'ai Tibou, demain j'ai ma maison, demain j'ai l'aéroport. Donc demain on aura pas mal de choses à faire, mais là pour l'instant, bah, on n'a pas grand-chose. Bah, à part avancer, faire des pêches. Attends, ouais, non, tous ces poissons, je les avais déjà. À part faire de la thune, essayer de choper des Pokémiles, j'allais dire. À part choper des miles là, on n'a pas grand-chose à faire en fait. Bon, les 98 000 clochettes, on les aura pas comme ça. Alors ça. Et ça. J'ai regardé comment on agrandit son inventaire parce que là, qu'il l'avait déjà. Animal Crossing, New Horizon, agrandir inventaire. Augmenter la taille de votre inventaire. Comment améliorer son inventaire? Alors dis-moi site. Savoir s'organiser. Alors comment augmenter la taille? Tout d'abord, il faut rembourser le prêt de sa tante, ok. De l'unanas, cela sert effectivement l'utilisation de Miles et l'accès au service Miles Nook Plus. Ah. Alors quand c'est fait, vous pouvez utiliser la borne Nook Stop du bureau des résidents pour aller dans échanger des Miles Nook, c'est le produit Savoir s'organiser qui permet d'ajouter une troisième ligne. Vendu à 5 000 miles, wow. Ah ouais, c'est cher. Et je pense qu'il y a moyen d'échanger des miles contre des clochettes. Enfin, et vice-versa. Bon, est-ce que c'est ça le stop là? Comment ai-je pu oublier? Il faut bien entendu que je te parle de ce terminal. Ok, bon, bah rien à voir. Ah, si, c'est ça, c'est le Nook Stop. Ok, donc c'est bien ce que je cherchais. Pour des achats comme DAC ou échanger des miles Nook. Bienvenue dans le Nook Stop. Ça te fait gagner. Accéder. Ah, ok. Ça te fait gagner des miles. De Miles est à présent activé pour ton compte. Nous te remercions, espérons. Ok. Alors, je veux m'organiser. Échanger des Miles Nook. Nook Shopping. Et évidemment. Ah! On peut choper des choses. Intéressant. Oh! On peut acheter du kéké. On va regarder c'est quoi le DAC. Ah non. Bon. Alors dépôt. Ah, c'est bien ça, j'aime bien. Ok, intéressant. Donc j'imagine chaque jour ça monte un petit peu, peut-être d'1%. Échanger des Miles Nook, ouais. Alors, ticket Miles Nook.
Mais ça fait quoi ça? Ok. Motif perso pour les pros, fabriquer de bons outils, savoir s'organiser. Et donc voilà, c'est ça qui nous intéresse du coup. Attends, bandana. Oh, il est dégueulasse. Ok, il y a quoi d'autre là? Tiki Miles Nook. Attends. Ah ouais, là, il y a tout. Ok. Là, des produits dérivés. Ok. Et donc là, c'est des trucs qui nous intéressent. Guide du panel. Faudrait que je regarde sur internet, ça correspond à quoi, mais le savoir s'organiser, bah c'est clairement ce qu'on va devoir farmer. Attends, ils nous disent quoi? Alors un peu plus tard, après quelques rebondissements, un autre produit fera son apparition au même endroit pour la quatrième ligne. Oh, cool. Bien, bien, bien. Alors après, pour l'histoire du musée. Ok, bon bah juste demain on aura la pelle et la. Enfin on aura le craft de la pelle. Donc c'est cool. Bah écoutez, je sais pas quoi faire. Parce que le problème c'est qu'il n'y a pas de. J'ai pas de choses à faire là. Parce que je suis obligé d'attendre demain. J'ai pas envie de pêcher. Je peux peut-être faire des quêtes, mais c'est tout quoi. La chasse au succès. Mais là, je crois que je ne peux rien faire justement. Et c'est ça le problème. Parce qu'il faut que j'attende demain. Alors, Miles Nook, avec un plus, tu es passé au niveau supérieur. Tu peux désormais utiliser les services. Ah! Il est encore plus facile de gagner des miles au quotidien. Ok, et le moment maintenant bénéficie d'avantages exclusifs. Profitant, tire parti des incroyables possibilités qui sont ouvertes. Ah! Pêche. Ah, donc ça, ce sont des quêtes quotidiennes du coup. Planter des graines de fleurs. Attraper des insectes. Pêcher des poissons. Intéressant. Donc si en fait on a. Ouais, au moins ça nous ça encourage bien le joueur à revenir tous les jours. Attends, je. Je veux. Non! Je n'arrive pas à le choper. Cela m'énerve. Ah, c'est bon. On va choper des insectes, hein, et après, bah, en vrai, au passage, je vais prendre du bois si j'en vois. Attends. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il essaie de choper ce papillon. Alors là, je le vois pas, donc. Ok. Voilà. Ah, on va faire les trucs de Miles Plus. Ok, donc non, je me disais bien, genre, si t'as que des succès qui changent jamais, bah c'est. Il y a forcément un moment où ça va tourner en rond. Alors, est-ce que c'est un pharaon ça? Un machin? Un macaron? Bon, je vous ai dit, je pêcherai en off, je vais pas pêcher en étant en stream, c'est un peu chiant en vrai. Donc, ouais, on va juste récupérer les bouts de bois qu'on voit. Pour la prochaine le prochain filet. J'aimerais bien tomber sur des insectes. Et je pense qu'on tombera jamais sur le blanc. Ça serait bien si on pouvait tomber sur des trucs assez rares. Ah, donc on peut monter ici, ok. Ah. Et quand je dis assez rare, c'est évidemment des trucs nouveaux, hein. Genre un peu plus rare que commun de ouf. Parce que là pour l'instant, à part des machaons, des citrins et les trucs blancs là, bah, on n'a rien d'autre. Ah, ça c'est cool. Attends, mais. De temps en temps, là je vois une espèce de truc blanc, je me demande ce que c'est. Ok. Bon, mon filet, il risque de se casser, je crois. Ah non. Ouais, là, là. Là, c'est quoi ça? Je suis sûr, en fait, faut utiliser une pelle et on obtient genre un couteau. Ouais, genre, c'est trop bizarre. Genre, t'as des espèces de. Ouais, t'as des liquides blancs qui sortent du sol, mais.
Je sais pas comment je pourrais les faire réagir. Peut-être en marchant dessus, non? Ouais, faut débloquer l'appel. Bon, là, on a d'autres insectes. Bon, là, on a encore le supra-commun, machin. Ou macaron, je sais pas comment ça se dit. Là, on a le truc blanc. Là, on a encore des machins. Voilà, une pierrette de la rave. On va juste prendre la masse d'insectes parce que c'est simple. Mais mec, quand est-ce que ça se broque mon truc? Genre, je suis en train d'attraper 20 000 insectes et ils se cassent pas. Ah bah enfin! Voilà. Et maintenant je peux aller en rechercher un. Alors Malice Nook plus. Alors normalement. Ouais voilà, c'est dans le plus. Attends, donc là j'en ai obtenu 300. Ah mais en plus il y en a plus. Dépenser des clochettes. Oh c'est nul ça. Oh c'est si nul. Par contre, ouais, le coût de vendre des coquillages, ça m'intéresse ça. Ok. Et après, il y a pêcher des poissons, évidemment, mais. On ne peut pas. Ah, ça va, je pense on a bien joué, hein. Ça me paraît bien, je pense qu'on va se laisser. On va se laisser là. Putain, j'ai des gens là, ils spamment les groupes, ils sont en train d'en quitter plein. Ça me fait plein de notifs Discord, c'est chiant. Bah du coup, ce qu'on va faire avant de se quitter, c'est qu'on va recrafter un filet. Et on va vendre tout ce qu'il nous faut. En vrai, je crois que j'ai une quête où il faut que je crafte des choses là, mais. Ah non, j'ai pas assez de branches. On va aller en chercher. Ce pauvre arbre que j'ai maltraité pour choper des branches. On a bien joué, hein. Je pense pour du YouTube là, on en a pour 3 épisodes. Et ça, je vais le poster direct sur ma chaîne principale, genre. Enfin, pas direct, mais je le ferai assez vite le post d'épisode. Au travail. Bravo! Putain, il est gros, Tom Nook. Maintenant, je veux vendre, tout à fait. Et bienvenue! Tu as quoi à vendre? On va regarder quand même, mais je pense qu'il a la même chose. Ouais, c'est de la merde. You change your avis! Je vais regarder aussi si l'épargne est intéressant ou si je garde juste mes clochettes sur moi. Achète-moi des trucs. Oh putain, je suis full carrément. Je suis quasiment full, ouais. On va vendre toutes nos merdes là, parce que j'en ai plein. J'ai 20 000 papillons là, les trois mêmes, hein. « 2500, ok, intéressant. » Donc en vrai, les insectes se vendent bien. Hein. Mais ce qui est chiant, c'est que tous les 10, bah... Hé. Ok, bah avant de se laisser, je vais juste regarder sur Internet si l'épargne est intéressant. Épargne, Animal Crossing, New Horizon. Alors, comment gagner rapidement de l'argent dans Animal Crossing, blablabla, représente le nerf de la guerre. Lire plus. Oula. Alors, la première des solutions est de pêcher, d'attraper le plus de poissons et d'insectes différents.
Le papillon ordinaire ne valent quasiment rien. À noter que certains de vos voisins se montrent très intéressés et sont prêts à débourser un montant. Ah ouais? Intéressant. Donc si on parle à des habitants, ils nous rachètent plus cher certaines espèces de poissons. Et j'imagine aussi de trucs. Attends, nous vous conseillons de taper des rochers avec votre pelle. L'un d'entre eux vous donnera de l'argent à 8 reprises, de quoi ramasser 16 000 clochettes facilement. Ok. Une troisième astuce consiste à visiter d'autres îles pour environ 2 000 clochettes. Il sera possible d'aller temporairement dans une localisation spécifique qui recèle. Ok. Poissons, insectes et plantes. Vous avez quoi faire? Il est possible de tomber sur des îles remplies de camions donnant de l'argent. Ok. De recueillir des fruits que vous ne possédez pas. Eh ouais. Chaque jour, vous pouvez trouver un coin sur votre île où il est possible de planter un sac d'argent pour y faire pousser un arbre d'argent. Notez que vous pouvez également y enterrer une pelle. Afin d'avoir une pelle en or. Oh! Bien. Et du coup, la question que tout le monde se pose, c'est les objets en or. Et oui, le jeu a directement compris ce que je voulais faire. Est-ce que les items en or existent? Pépites de fer, or. Alors, différent du mobilier, les outils sont des objets utiles pour votre aventure. Sans eux, vous ne pourrez pas craft de mobilier pour votre maison, blablabla. Alors, la pelle, la hache, la canne, le filet, la perche, l'arrosoir, le lance-pierre, évidemment. L'échelle. Monter des falaises, ok. D'autres petits outils sont craftables, mais n'ont pas de grande utilité. Ok, et des items en or? On s'en fout. Outils en or, Animal Crossing. Ouais, mais dans New Horizon. Alors, secouer les arbres. On y trouve différents fruits, évidemment. Casser des rochers, on peut trouver des pépites d'or, intéressant. Déterrer des trésors enfouis, ça je le sais déjà. La chasse, pêche et vente. Ah donc là on peut voir tout ce que les... Toutes les clochettes par... Par truc. Une pépite d'or, ça faut 10 000. Ah ouais. Ok. Alors parmi les papillons... Mille pattes, escargot, ok. Citrin, ouais, le citrin il vaut rien. Et parmi les coquillages, celui qui se vend le plus cher, c'est le conque, le bénitier géant. Les peignes de Vénus, branche de corail, ça se vend bien aussi. Ok, bon. Ah, comment obtenir la pelle? Ah, mais moi je veux la pelle en or. Ouais, faut juste la. Attends, une fois sur place, le pilote Rodrigue reste à votre disposition. Des outils pour 100 miles. Oh, ça va. Ok, attends. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ces épisodes. Nous, bah, on se dit bien évidemment à la prochaine. Et pour les streams, bah, c'est dans pas très longtemps. Donc merci à tous. Et on se dit bien évidemment à la prochaine pour une prochaine vidéo et un prochain stream. Ciao!